En este 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, contamos con la distinguida participación como conferencista inaugural de la doctora Natalie Maliet Puyol. Les recordamos que existen traductores aquí en el lobby del auditorio, quien aún no lo tenga, a favor de pasar por él para mayor facilidad e interpretación de esta conferencia magistral. La doctora Natalie Maliet Puyol es directora de investigación en el Centro Nacional de la Investigación Científica en el área de dinámicas de derecho, directora del equipo de investigación sobre creaciones inmateriales y derecho de la Facultad de Derecho en la Universidad de Francia, destacando conferencia dictada en francés con interpretación al español. En este momento quiero destacarles algo importante. La doctora Natalie Maliet Puyol es la primer conferencista mujer, género femenino, que dicta una conferencia en la Federación Iberoamericana de Asociaciones de Derecho e Informática. Doctora, con un gran gusto y a mucho orgullo, le cedemos el uso de la palabra. Monsieur le recteur de l'université, monsieur le directeur de la faculté de droit et de criminologie, monsieur le président de la FIADI, mesdames, messieurs, je suis extrêmement honorée de participer à l'ouverture de ce 14e congrès ibéro-américain de droit et informatique à Monterrey, en cette année de double commémoration pour le Mexique, et tiens à en remercier chaleureusement les organisateurs, et tout particulièrement Madame le professeur Mirna Elaya Garcia Barrera et Monsieur le professeur Julio Tellez. Année 2010, de commémoration de l'indépendance et de la révolution, autant de faits marquants et fondateurs pour le peuple mexicain, autant de concepts qui résonnent avec l'Internet et dont on rencontre magistralement le thème de ce congrès, révolution informatique et indépendance de l'individu. C'est bien sûr la révolution informationnelle qui est célébrée avec le World Wide Web, société naissante qui s'organise en réseau plutôt qu'en pyramide de pouvoir, en cellules interdépendantes plutôt qu'en engrenages hiérarchiques, explique Joël de Ronet. Société nouvelle, dans laquelle l'interconnexion des ordinateurs peut être un instrument au service de l'intelligence collective, espère Pierre Lévy. C'est donc avec un immense plaisir que je vais m'efforcer de réfléchir avec vous sur la question de l'indépendance, donc de la liberté de l'internaute, dans un contexte de révolution mondialisée de l'univers informatique. Avec l'avènement du cybermonde, en effet, s'étend le spectre du renfermement et de la solitude interactive qui est brandi, que le discours d'un nouveau lien social, d'un nouvel espace de communication et de liberté d'expression qui est tenu. Je n'arbitrerai évidemment pas ce vaste débat sur le bonheur ou l'utopie de la cybercommunication, mais forcé de reconnaître que la magie et la grandeur de l'Internet tient au fait que tout citoyen dispose des plus grandes facilités pour voyager dans le cyberespace, accéder à l'information planétaire et s'exprimer sur la toile. Y est offerte une faculté inédite, une liberté de navigation et d'expression, dont il convient cependant de mesurer les limites et les pièges pour l'internaute, a fortiori sur le Web 2.0, fameux web participatif, appelé encore web communautaire. J'en viendrai tout d'abord à la liberté de navigation de l'internaute. Il est désormais proposé à l'homo numericus la magie d'une navigation électronique sans entrave, avec de prodigieuses facultés d'accès à la culture et à la connaissance.
L'idée d'une totale liberté de surfer sur la toile souffre pourtant deux bémols. Elle est, comme toute liberté, bornée par celle d'autrui. Or, les intérêts et droits d'autrui peuvent constituer tant une menace qu'une légitime limite pour l'internaute. La menace provient de ce que la liberté de l'internaute est surveillée au nom de l'intérêt général. La navigation de l'internaute se trouve par un phénomène bien connu désormais de traçage électronique totalement transparente, ce qui fait peser une lourde hypothèque sur la protection des données personnelles. Avant l'ère Internet, dans les années 70-80, la préoccupation informatique et liberté essentielle était celle des menaces présentées par le stockage et l'interconnexion des données. La personne qui devait être protégée était la personne objet des traitements informatiques, celle dont les données étaient récoltées pour des besoins essentiellement administratifs. Avec l'Internet et la société de l'information, c'est la personne sujet actif, la personne utilisatrice de l'informatique qui s'expose également à des dangers. Elle surfe sur le net, mais avec un bracelet électronique. Elle subit le risque du profilage. Ces traces servent le plus souvent des intérêts de marketing, mais peuvent également s'avérer d'incomparables instruments pour les services de renseignement. Ces traces sont d'ailleurs conservées pour des raisons tenant à la défense d'intérêts publics ou privés, mêlés de considérations sécuritaires ou économiques. Premier motif de conservation des données, les motifs sécuritaires. Depuis la loi du 15 novembre 2001 relative à la sécurité quotidienne, un premier motif préside en France à la conservation des données de connexion de l'internaute qui tient à la surveillance du réseau. Le Code des postes et communications électroniques dispose qu'en principe les opérateurs de communication effacent ou rendent anonymes toute donnée relative au trafic. Mais il assortit ce principe d'exception majeure. Ainsi, la suppression ou l'anonymisation des données de connexion peuvent être différées pour une durée d'un an pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales et dans le seul but de permettre en tant que de besoin la mise à disposition de l'autorité judiciaire d'informations. Et depuis la loi française de 2006 relative à la lutte contre le terrorisme, les agents des services de police et de gendarmerie préposés à la prévention du terrorisme peuvent en exiger la communication. En outre, ces données de connexion peuvent être transmises depuis 2009 par les fournisseurs d'accès et conservées par la Commission de protection des droits de la HADOPI. La HADOPI est la haute autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet. C'est notre autorité qui gère la question de la protection des droits d'auteur sur Internet. Donc, cette haute autorité est habilitée depuis 2009 à créer un fichier des internautes faisant l'objet d'une procédure en lien avec la contrefaçon des œuvres sur l'Internet. Par ailleurs, depuis 2004, les fournisseurs d'accès ou d'hébergement doivent détenir et conserver les données de nature à permettre l'identification de quiconque a contribué à la création de tout contenu sur les services dont ils sont prestataires. Cette conservation s'effectue dans l'éventualité d'une transmission à l'autorité judiciaire ou aux agents des services de police et de gendarmerie. Enfin, et j'en terminerai par là, les opérateurs de communication électronique peuvent être requis par tout officier de police judiciaire intervenant sur réquisition du procureur de la République de prendre sans délai toute mesure propre à assurer la préservation pour une durée ne pouvant excéder un an du contenu des informations consultées par les personnes utilisatrices des services fournis par les opérateurs. Vous le voyez, toutes ces données de navigation
ainsi conservées, indiscrètes empreintes sur les activités ou les centres d'intérêt de l'internaute permettent d'en dresser le profil, d'où la nécessité d'une grande vigilance quant au respect de la durée de conservation de ces données, au mécanisme de leur transmission à des personnes habilitées et quant à la vérification primordiale de leur suppression. Deuxième motif de conservation des données, les motifs économiques. Il est vrai que ces traces, laissées bien malgré lui par l'internaute, représentent une valeur commerciale considérable, d'autant plus grande que leur collecte en est gratuite. Gratuite parce que c'est l'internaute lui-même qui, au gré de sa navigation, saisit les données qui seront ensuite transmises aux entreprises intéressées. Par exemple, vous le savez, certaines sociétés mettent à la disposition de sites internet des questionnaires électroniques destinés à alimenter des bases de données comportementales permettant d'établir le profil du consommateur. Certains fournisseurs d'accès proposent gratuitement leurs adresses électroniques, voire des logiciels spécifiques de navigation, quand et seulement quand les internautes acceptent l'utilisation de leurs données à des fins de prospection commerciale. Par ailleurs, pour les besoins de la facturation et du paiement des prestations de communication électronique, les opérateurs peuvent utiliser, conserver une année et le cas échéant transmettre à des tiers concernés par la facturation ou le recouvrement certaines données de connexion. Enfin, cette situation est parfois aggravée sur les réseaux sociaux quand l'acceptation de la collecte de ces données par le gestionnaire du réseau est un passage obligé pour tout internaute voulant ouvrir un profil personnel. Ces données de l'internaute sont livrées pour appartenir à la communauté virtuelle. Elles en sont le sésame et la monnaie d'échange. Vous le savez, pour le pratiquer, le réseau social est aussi générateur de données personnelles par le biais des offres de jeux, des offres de tests ou de nouvelles applications dont le bénéfice est subordonné à la livraison et à la diffusion d'informations concernant ses membres. L'accession de ces données est, avec la publicité, je l'ai dit, le fonds de commerce de ces services auxquels l'accès est gratuit. Le gestionnaire du réseau social aspire les données qu'il cède à des tiers annonceurs aux fins de création d'un environnement publicitaire, contextuel, segmenté ou comportemental. Donc ce modèle économique de la toile, basé sur la gratuité, a généré un espace immatériel de forte combustion de données concernant l'internaute, ce qui pose inévitablement la question de la maîtrise par l'internaute de l'utilisation de ces données. Or, qu'il s'agisse de données personnelles ou parmi elles de données relatives à la vie privée, la question demeure entière de la faculté de refuser de les délivrer sans que cela se solde par un refus du bénéfice de l'application. La Commission informatique et liberté française, au nom du principe de loyauté de la collecte, demande à chaque responsable de site internet d'informer les personnes de l'existence de ces procédés, de leur objet et de la faculté de s'y opposer. Une forme d'autorégulation est également venue plus ou moins spontanément des acteurs eux-mêmes. Sous la pression notamment des internautes, les éditeurs de logiciels ont offert la possibilité de refuser les cookies sur l'internet. Dans le même esprit, les professionnels élaborent des chartes de confiance. L'idée de labelliser certains sites présentant des garanties de protection des données participe de ce besoin de crédibilité et de confiance ressenti par les acteurs marchands de l'internet. L'on expérimente aussi la possibilité pour l'internaute de s'assurer par un dialogue avec le site des droits garantis par le fournisseur du service au regard de la vie privée et de conclure, le cas échéant, un accord
sur ce point. Plus radicalement enfin, les internautes s'organisent et ont recours à des moyens technologiques manifestant une prise de conscience des dangers actuels et des moyens de les prévenir. En témoigne le passage par des sites d'anonymisation et des serveurs de redistribution garantissant l'anonymat des requêtes sous réserve d'une possible identification en cas de procédure judiciaire, ou encore l'utilisation de logiciels de cryptage et de reroutage. Vous le constatez, ainsi est mobilisée toute la boîte à outils conceptuelle de la législation de protection des données personnelles relative à la loyauté de la collecte et du traitement des données, avec des questions aussi délicates et non encore réglées que celles de la réalité et de la clarté de l'information de la personne sur les utilisations futures de ces données, de la faculté ou non d'opposition, de la nécessité du consentement et des modalités de son recueil. Là encore, sont attendus d'âpres arbitrages entre intérêt et liberté en présence. Si la liberté de l'internaute est surveillée pour des raisons d'intérêt général, elle est aussi limitée par les droits de propriété intellectuelle. La liberté de navigation sur l'Internet a évidemment pour borne les droits d'autrui et principalement les droits de propriété intellectuelle des créateurs. Que dire de la liberté d'accès à l'Internet ? La liberté d'expression a été proclamée en France à l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Elle a été érigée en liberté fondamentale par le Conseil constitutionnel français, liberté, je cite, « d'autant plus précieuse que son exercice est l'une des garanties essentielles du respect des autres droits et libertés et de la souveraineté nationale ». À l'examen de la loi française dite Hadopi 1, Hadopi du nom de la Haute Autorité, donc loi favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet, le Conseil constitutionnel a été amené à affirmer un droit d'accès à l'Internet, corollaire du droit constitutionnel à la liberté d'expression. Visant l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme, le Conseil expose qu'en l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne, ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et à l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services. C'est la première fois en France qu'est énoncé un droit à l'Internet, véritable liberté politique à mettre en relation avec le droit à l'information consacré par l'article 10 de la Convention européenne des droits de l'homme. L'article 10 visant la liberté de recevoir ou de communiquer des informations, la Cour européenne des droits de l'homme a pu écrire qu'à sa fonction qui consiste à en diffuser, s'ajoute le droit pour le public d'en recevoir, soulignant que s'il en était autrement, la presse ne pourrait jouer son rôle indispensable de chien de garde. Ce droit est la conséquence naturelle de la liberté d'expression et il était logique qu'il fût affirmé pour l'Internet tout en déployant les moyens de réduire la fracture numérique. Mais il doit s'exercer dans le respect du droit d'auteur et des droits voisins du droit d'auteur. L'accès et l'usage de l'Internet ne doivent évidemment pas s'accompagner d'actes contraires à la loi, dont le médium électronique serait uniquement l'objet ou l'outil. Je songe à des actes aussi diversifiés que la fraude informatique, le téléchargement d'images pédophiles, le trafic d'organes, la diffusion de propos réprimés par la loi sur la liberté de la presse ou la violation des droits de propriété intellectuelle. En particulier,
Les droits des auteurs et les droits voisins des droits d'auteur ont été renforcés par la loi Hadopi du 12 juin 2009, favorisant la diffusion et la protection de la création sur Internet. Cette loi avait pour ambition de faire cesser l'hémorragie des œuvres culturelles sur Internet et de créer le cadre juridique indispensable au développement de l'offre légale de musique, de films, d'œuvres et de programmes audiovisuels, voire d'œuvres littéraires sur les nouveaux réseaux de communication. À cet effet, il a été confié à la Hadopi, Haute Autorité pour la diffusion des œuvres et la protection des droits sur Internet, la mission d'adresser aux titulaires d'abonnements dont les accès ont été utilisés à des fins de piratage des recommandations pédagogiques, d'abord sous forme électronique, puis en cas de nouveau manquement par lettre remise contre signature. La loi a confirmé l'obligation qui pèse sur les abonnés depuis 2006 de veiller à ce que leur accès ne fasse pas l'objet d'une utilisation aux fins de violer les droits de propriété littéraire et artistique. Elle a incité fortement à la mise en place de mesures de sécurisation de cet accès, mesures proposées notamment par les prestataires techniques. C'est ainsi que les droits des auteurs ont été réaffirmés avec vigueur et à juste titre par le Conseil constitutionnel, avec le souci d'intégrer la protection des œuvres diffusées par voie électronique. Autrement dit, l'internaute ne doit pas se livrer à des actes de reproduction non autorisée d'œuvres protégées, ni à des actes d'extraction déloyale de bases de données, sauf à s'exposer à des sanctions. Or, parmi les sanctions possibles, la loi de 2009 avait confié à la Hadopi la compétence de prononcer à l'encontre des abonnés qui auraient manqué de façon répétée à leur obligation de surveillance, en dépit d'avertissements reçus, donc la faculté de prononcer une suspension temporaire de leur accès à l'Internet. Or, le Conseil constitutionnel a considéré que, dans la mesure où une sanction de cette nature pouvait conduire à restreindre l'exercice par toute personne de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, le législateur ne pouvait, quelles que soient les garanties encadrant le prononcé de ces sanctions, confier de tels pouvoirs à une autorité administrative. Au nom du principe de proportionnalité, et relevant que le pouvoir de sanction confié à la haute autorité s'étendait à la totalité de la population et pouvait conduire à restreindre l'exercice par toute personne de son droit de s'exprimer et de communiquer librement, notamment depuis son domicile, le Conseil en a conclu à la seule compétence du juge. Il ne s'agissait donc pas de renier les droits des auteurs, mais d'affirmer que les éventuelles atteintes portées à la liberté d'accéder à l'Internet relevaient de l'autorité judiciaire. Donc dans ce feuilleton Hadopi, une nouvelle loi, dite Hadopi 2, du 28 octobre 2009, a pris en compte la décision du Conseil constitutionnel et elle a prévu la possibilité d'un recours à la procédure du juge unique et aux ordonnances pénales en matière de délits de contrefaçon. Un nouvel article du Code de la propriété intellectuelle confie donc au juge la possibilité de prononcer à l'encontre des internautes, auteurs de certaines infractions, une suspension de l'accès aux services pour une durée maximale d'un an, assortie bien évidemment de l'interdiction de souscrire pendant la même période un autre contrat d'abonnement portant sur un service de même nature auprès de tout autre opérateur. Voilà l'état du droit français et voilà les menaces et limites portées à la liberté de navigation de l'internaute. J'en viendrai à présent à la liberté d'expression de l'internaute.
Une des particularités du média Internet est de transformer le public en auteur, principalement avec le web participatif, le web 2.0. La toile devient alors pour l'internaute un véritable espace de liberté d'expression. Toutefois, nul n'ignore désormais la puissance des moteurs de recherche permettant d'indexer l'ensemble des informations circulant sur le web, notamment dans les forums de discussion et les réseaux sociaux, et de dresser des biographies d'internautes révélant leur âge, leur niveau d'études, leur employeur, leurs goûts, leurs opinions, etc. C'est pourquoi cette liberté d'expression, parfois trop insouciante sur les réseaux sociaux, doit impérativement être responsable sur les espaces publics de l'Internet. J'en viendrai dans un premier temps à la liberté d'expression sur les réseaux sociaux. Vous savez que les réseaux sociaux expérimentent de nouveaux modes de sociabilité. S'y épanouissent toutes les figures de pratiques amicales dans une savante confusion entre la sphère privée et la sphère publique. Force est de reconnaître le caractère grandement convivial et ludique de ce média. Toutefois, l'internaute a une forte propension à dévoiler des éléments de sa vie privée dans sa page personnelle, d'autant plus que la tendance n'est pas au respect de l'anonymat ni au recours aux pseudonymes, même si le processus de simulation d'identité et de personnalité numérique est en expansion. Vous allez me répondre, la liberté d'ouvrir ou non un profil sur un réseau social porte logiquement à considérer que la démarche d'affichage de la part de l'internaute vaut consentement à la divulgation des informations qu'il diffuse, sous réserve, bien entendu, de la valeur de l'initiative prise par un enfant mineur. Mais ce consentement à l'exposition de données personnelles est à cet égard, à certains égards, bien inconscient. Il fonctionne principalement sur la fausse croyance en de la communication privée qui peut s'avérer parfois bien publique. Cette confiance est aggravée par la déclinaison de toute une rhétorique de l'amitié qui conduit à s'inquiéter du leurre d'un espace privé sécurisé et de la gageure d'un espace privé autogéré par l'internaute. Le leurre d'un espace privé sécurisé. Je vous l'ai dit, les réseaux sociaux favorisent une surexposition de la vie privée très très partagée, forme renouvelée d'exhibitionnisme ou de voyeurisme, ou tout simplement une divulgation inflationniste de données personnelles pour soi ou pour les autres. Certes, la préoccupation de sécurité et de protection de la vie privée est désormais affichée par les promoteurs des services. Toutefois, cette préservation de la sphère privée n'est pas aussi accomplie qu'il y paraît et la confidentialité n'est pas totalement assurée, comme en témoignent certaines expériences menées par des journalistes sur certains réseaux sociaux. Pourtant, ce discours ambiant sur l'espace privé, l'espace amical, est très démobilisant. Il est lourd de conséquences sur la prise de conscience des dangers encourus, usurpation d'identité, malveillance, à la suite d'informations dévoilées et de propos tenus par l'internaute allant de l'affichage de ses états d'âme personnels à celui de rendez-vous ou de son emploi du temps via le fameux mur du réseau social. Il induit un grave risque de baisse de vigilance pour les internautes et surtout, on n'insistera jamais assez, pour les enfants qui conversent avec un ami sur la toile. Point n'est besoin d'insister non plus sur les inconvénients de la diffusion de certaines informations et pour les jeunes de certaines photographies si elles sont connues de tierces personnes, employeurs, bailleurs, assureurs,
université. Ce discours affecte aussi les pratiques d'échange de contenus protégés par le droit d'auteur dans une culture du partage qui explique la vigueur d'un argumentaire déployé autour de l'exception de copie privée ou de l'exception du cercle de famille. Il n'est pas non plus sans incidence sur les modes d'expression et les échanges d'opinions dans ce qu'ils peuvent avoir de liberté et de décontraction dans un cercle privé. Voilà pour le leurre de l'espace privé. Une autre difficulté survient avec les réseaux sociaux, c'est la gageure d'un espace protégé qui serait autogéré par l'internaute. Vous l'avez constaté, corollaire du caractère privé de l'espace, est assénée l'idée d'un espace particulièrement protégé contre toute intrusion. S'y ajoute un discours volontariste sur la parfaite maîtrise par l'individu de la révélation d'éléments de sa vie, tant privée que publique, et sur la gestion de son identité numérique et de sa e-reputation. Les systèmes reposent souvent sur la fixation par l'internaute du degré ou paramètre de confidentialité des éléments du profil accessible. Il doit sélectionner l'audience choisie, coopter ses amis et refuser les indésirables. La confidentialité, vous le constatez, est instrumentalisée comme argument promotionnel du site. Mais, là encore, la gestion du risque est déplacée sur la personne de l'internaute qui, ne percevant pas toujours ce danger de perte de contrôle de l'information ainsi divulguée, n'utilise pas les possibilités offertes par le paramétrage de confidentialité et se rend visible à tous, ou bien encore, et je le constate, c'est hélas le cas pour nos enfants, accepte l'entrée d'amis très très inconnus. D'où la nécessité de promouvoir des paramètres par défaut respectueux de la vie privée. Cette maîtrise de la vie privée par l'individu est également imparfaite en raison de l'interactivité du système, car le degré de confidentialité est certes en théorie géré par les intéressés, mais pas la totalité des données exposées. Vous le savez, dans ce monde euphorique de la convivialité électronique, la vie de l'individu n'est pas seulement dévoilée par l'intéressé lui-même, mais par le gestionnaire du site, via les rubriques d'annonces, ou par les amis, via les informations livrées sur les murs. De même, l'aspect album photo, très prisé des internautes, est redoutable, dès lors que les photographies sont exposées non seulement par le titulaire du droit à l'image, mais par ses amis. Elles peuvent être taguées par des tiers, ce qui les rend plus facilement identifiantes et surtout indexables par les moteurs de recherche. Certes, ces pratiques, vous allez me dire, sont extrêmement conviviales et je dirais qu'elles renouent en quelque sorte sur un mode électronique avec la tradition mexicaine des peintures murales et je me demande si elles n'augurent pas une nouvelle déclinaison d'un mouvement muraliste numérique. Mais il n'en demeure pas moins que ces initiatives se font la plupart du temps à l'insu de la personne, donc en violation du droit à la vie privée ou du droit à l'image, ce dont les internautes n'ont souvent absolument pas conscience. Alors, c'est vrai qu'il faut saluer la faculté de détagage désormais offerte aux personnes concernées ou la proposition d'outils de gestion de marquage préconisés pour gérer le consentement des individus. Pour en finir avec cette question des réseaux sociaux, je voudrais dire que plus que jamais, une réflexion doit être menée sur le consentement numérique. La question de la place du consentement, sa validité, ses limites, son mode d'expression est cruciale dans la perspective de construction d'une réelle politique de protection des données personnelles et de la vie privée sur les réseaux. Et je pense qu'à cet égard, un bémol est à apporter à la théorie de l'autonomie de la volonté et à une de ses principales conséquences, qui est la liberté contractuelle.
Il devra sans doute se traduire par une nouvelle extension d'un ordre public de protection, lequel vise à limiter la puissance de la partie censée être la plus puissante économiquement, notamment dans les relations salariales, locatives ou consuméristes. Cette protection passe notamment, me semble-t-il, par l'interdiction de certaines clauses jugées abusives dans ce nouveau contrat d'un genre nouveau qu'est le contrat Internet. Par ailleurs, la seule contractualisation des relations, fût-elle encadrée par un ordre public de protection, paraît insuffisante. Des principes généraux d'ordre public eux-mêmes doivent régir le traitement des données sur les réseaux sociaux, sous le contrôle d'autorités de protection des personnes, et à cet égard, les lois de type informatique et liberté doivent être promues et renforcées. Et j'en terminerai sur cette question de la liberté d'expression par la question très difficile de la liberté responsable sur les espaces publics. Vous le savez, la liberté offerte à l'internaute de s'exprimer sur le web s'accompagne évidemment au plan social de la responsabilité des propos et des informations divulguées, dont il doit assumer, à plus ou moins long terme, les conséquences. Au plan juridique, cette responsabilité sera d'autant plus importante qu'il se livrera à une communication publique et non pas à une correspondance privée, et qu'il ne bénéficiera pas du régime de responsabilité en cascade hérité de la loi française de 1881 sur la liberté de la presse. Pourquoi je parle de communication publique ? Parce que on assiste de plus en plus à une publicisation de la sphère privée. Vous l'avez constaté, la notion de communauté fermée est fortement suggérée dans les documents d'adhésion à un réseau social. Pourtant, je vous l'ai dit, elle induit en erreur sur les garanties de protection des données personnelles, mais également sur les garanties de protection de la liberté d'expression. Or, ce qui est concevable dans la sphère privée ne l'est pas toujours dans la sphère publique. Or, les pratiques du Web 2.0 perturbent les cadres de référence du droit de la communication. L'on se demandera, et les affaires viennent de plus en plus souvent devant les tribunaux français, si certaines pratiques relèvent de la correspondance privée ou si elles constituent une forme nouvelle de communication publique, donc de publication plus sévèrement sanctionnée. La notion de correspondance privée n'est par exemple pas discutable avec le courrier électronique ou la messagerie. Mais il n'en est pas de même avec toutes les applications telles que les murs de commentaires ou les groupes constitués autour d'entités scolaires, professionnelles, géographiques ou bien de thématiques précises. Et on se demandera que penser des groupes aux thématiques totalement farfelues ou bien constituées autour de collectivités aussi larges que des lycées, des universités, des villes ou des pays. La réponse juridique sera nécessairement casuistique. Et selon la position du curseur dans l'appréciation du caractère privé ou public de telle ou telle pratique de communication, les règles juridiques varieront. La correspondance privée est protégée par le principe fondateur du droit des postes et télécommunications, qu'est le principe de secret des correspondances, dont la violation est pénalement sanctionnée. En revanche, la communication publique ne permet pas de revendiquer cette protection. Plus encore, elle a pour conséquence une sanction aggravée des propos excédant les limites de la liberté d'expression. Et c'est pourquoi je voudrais en venir avec vous en conclusion sur la responsabilité éditoriale de l'internaute. Rompant avec les principes de l'Ancien Régime, la loi de 1881 sur la liberté de la presse a instauré un régime répressif, c'est-à-dire un système dans lequel le contrôle des contenus est effectué a posteriori et uniquement par voie judiciaire. Il n'y a pas de contrôle préventif, source de censure préalable. Ces règles
s'applique à l'Internet comme à tout autre média. La revendication d'impunité de l'expression dans un Internet sanctuarisé n'a pas prospéré. Au contraire, le contrôle des contenus illicites ou préjudiciables circulant sur le réseau a été en France et dans l'Europe une des grandes préoccupations formulées à propos de l'Internet. Conformément au principe de neutralité technologique, la loi française pour la confiance dans l'économie numérique, loi de 2004, a tenu à certifier que les dispositions de la loi sur la presse étaient applicables aux services de communication en ligne, donc à l'Internet. Avec le droit de la communication en ligne issu de la loi pour la confiance dans l'économie numérique, s'est opérée une régulation extérieure au droit de la presse. Il ne s'agit plus de réguler les contenus, mais d'encadrer les activités de communication électronique bien au-delà de la seule activité de presse. Sont concernées toutes formes de prestations et de commerce électronique, et l'arsenal juridique mis en place a notamment pour vocation la lutte contre la cybercriminalité. Dans ce contexte très particulier, la question de la responsabilité des intermédiaires ou prestataires techniques, fournisseurs d'accès, fournisseurs d'hébergement, a été extrêmement discutée. Le législateur a persisté à affirmer un principe d'irresponsabilité du fait des contenus circulant sur la toile. Ce principe est assorti d'un certain nombre d'exceptions. Quelle est la règle ? Les fournisseurs d'accès ou d'hébergement ne peuvent pas voir leur responsabilité civile ou pénale engagée du fait des activités ou des informations stockées à la demande d'un fournisseur de contenu, s'ils n'ont pas eu connaissance de leur caractère manifestement illicite, ou si, dès le moment où ils ont eu cette connaissance, ils ont agi promptement, ça génère beaucoup de contentieux, pour retirer ces données ou rendre impossible l'accès à l'Internet. En revanche, ces mêmes prestataires techniques sont érigés au rang d'auxiliaires de justice et sont en quelque sorte chargés de la police de l'Internet, tant pour la surveillance du réseau que pour la contribution à la cessation des troubles par l'injonction qui peut leur être faite par le juge de retirer les informations ou de bloquer l'accès. Ces mesures sont d'autant plus plébiscitées que les dommages sont démultipliés par la technologie numérique et revêtent une ampleur, vous le savez, internationale. Dernière question, le Web 2.0, ce fameux web participatif. Il s'est beaucoup fait connaître des juristes ces deux dernières années pour ses contentieux relatifs à la responsabilité des gestionnaires de plateformes de partage de vidéos au regard de la maîtrise des contenus qui, cette fois-ci, contenus vidéo, étaient postés par les internautes. Quel était le problème ? Il s'agissait de savoir si ces prestataires, fournisseurs d'accès et d'hébergement et responsables de plateformes vidéo, peuvent être qualifiés d'hébergeurs et bénéficier ainsi de la responsabilité allégée de la loi ou s'ils doivent endosser la qualité de fournisseurs de contenu et assumer par là même une plus forte responsabilité éditoriale. À cette difficulté s'est ajoutée celle de la distinction entre fourniture de contenu, donc qualité d'éditeur de site, et celle d'éditeur de contenu. Et qui est l'éditeur de contenu ? C'est l'internaute. Donc cette distinction est essentielle pour la mise en œuvre de responsabilité éditoriale française, car c'est une responsabilité en cascade. La cascade place en première ligne le directeur de la publication, puisque c'est lui qui prend la responsabilité et l'avantage économique de la publication. À défaut de trouver le directeur de publication, on fait peser la responsabilité sur l'auteur, et à défaut de l'auteur, on fait peser la responsabilité sur le producteur. Voilà le principe de la cascade. Donc, ce mécanisme a été considéré
comme opposable aux fournisseurs de contenu, mais pas aux intermédiaires techniques, sauf s'ils cumulent les deux qualités, fonction de production et fonction d'hébergement. Cette question a à nouveau été très débattue en 2009 lors des États généraux de la presse numérique en raison des plateformes de vidéo. Le législateur a jugé la présomption de responsabilité du directeur de la publication délicate à mettre en œuvre pour les espaces de participation personnelle, forums de discussion, blogs qui font appel à la contribution et à la participation des internautes. Ce qui fait que la loi Hadopi 1, après avoir instauré un statut des services de presse en ligne, a modifié la loi française et a indiqué que lorsque l'infraction résulte du contenu d'un message adressé par un internaute à un service Internet et mis à la disposition du public dans un espace de contribution personnelle, le directeur de la publication ne peut pas voir sa responsabilité pénale engagée s'il est établi qu'il n'avait pas effectivement connaissance du message avant sa mise en ligne ou si, dès le moment où il en a eu connaissance, il a agi promptement pour retirer ce message. Vous le constatez, la responsabilité de l'internaute en France depuis 2009 est considérablement accrue. Il ne bénéficie plus du filtre de la cascade en cas de diffusion en direct du message. Et même si le message a été fixé préalablement à sa diffusion, le directeur de la publication n'en est pas responsable s'il n'en a pas eu connaissance et n'a pas réagi rapidement. Le contentieux sur cette question en France, donc cette distinction responsabilité des responsable de plateforme vidéo et responsabilité des internautes est extrêmement nourri, est extrêmement confus à l'heure actuelle devant les juridictions françaises. Voilà, j'en ai fini avec cet exposé sur la liberté de l'internaute. Pour conclusion, je voudrais vous dire qu'en raison des traces laissées par l'internaute sur la toile, cette liberté de navigation et d'expression peut laisser un goût bien amer, d'où l'évocation en France, dans un style un peu familier, de la possible gueule de bois numérique. Incontestablement, l'internaute doit être informé et prendre conscience des risques encourus. Acteur de sa propre protection, il devra faire valoir une forme d'objection de conscience numérique en refusant de tout affiché sur le net, sauf de façon anonyme. Et c'est à cet égard que des voix s'élèvent en France en faveur d'un droit à l'oubli numérique, afin que puissent être effacées à terme certaines traces de la vie, tant publique que privée, laissées sur le web par l'internaute ou par des tiers. La loi Informatique et Liberté, principalement à travers ses dispositions sur le droit à l'information et le droit d'opposition de la personne concernée, et sur la durée de conservation des données, est un des dispositifs fondateurs de ce droit à l'oubli. Pour le conforter, des réflexions sont actuellement en cours, sachant que les services de presse électronique requièrent un régime spécifique au nom de la liberté d'expression. Donc vous le voyez, tout est extrêmement complexe. Pour l'instant, est actuellement devant le Sénat un texte en débat et parmi les solutions juridiques sont certainement à promouvoir un droit de suppression des données, conséquence de la violation du droit d'opposition, voire un droit de repentir pour certaines données volontairement livrées par l'internaute. Mais compte tenu de la difficulté technique de faire valoir ces droits, des réponses déontologiques et techniques sont aussi à trouver en accord avec les informaticiens autour des pratiques de référencement, d'indexation et d'archivage en ligne. Vous le savez, d'ores et déjà, des entreprises proposent leurs services pour se faire, je cite, une virginité numérique au moyen de procédés de nettoyage, voire de noyage des données par déversement de contenus positifs
et de référencement approprié, ce qui fait que c'est le contenu positif qui, sur un moteur de recherche, fera surface et non le contenu négatif. Vous le voyez, autant de révolutions des mentalités et de révolutions des pratiques de communication de l'individu dans une liberté surveillée, vertigineuse. Je vous remercie. Para hacer entrega de un reconocimiento que otorga la Facultad de Derecho y Criminología de la Universidad Autónoma de Nuevo León a la doctora Natalie Malet Pujol, solicito la presencia de la presidenta del comité organizador del 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática, la doctora Mirna García Barrera. Gracias. Es un honor, doctora, de verdad, entregar este reconocimiento que a la letra dice, Universidad Autónoma de Nuevo León, Facultad de Derecho y Criminología, otorga el presente reconocimiento a la doctora Natalie Malet por su valiosa participación en el 14º Congreso Iberoamericano de Derecho e Informática con la conferencia Internet y el control de las personas. Ciudad Universitaria, 25 de octubre del 2010, lo firman doctor José Luis Prado Mayar y doctor Valentín Carrascosa López. Gracias. Un aplauso.